Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans et je suis maraîchère au Jardin du Vifior depuis quelques mois. Je m'appelle Annick Picard, j'ai 37 ans et je suis maraîchère au Jardin du Vifior. C'est un projet en autocueillette en milieu urbain ici à Recours, sur un terrain qu'on a obtenu via un appel à projet de la ville de Liège. On a 60 abonnés. Donc, ce sont des personnes qui peuvent venir du 1er mai au 30 avril de l'année prochaine, toutes les semaines, chercher des légumes frais que nous leur proposons à un prix de 365 € pour l'année. La superficie du terrain, c'est 1 hectare, c'est 2 terrains de foot pour un peu situer. On cultive une soixantaine de légumes différents. C'est super pratique, comme ça on a une variété, une diversité qui permet que si on se plante sur une culture, y a quand même assez de légumes différents que pour avoir un roulement, qu'il y ait des légumes toute la semaine. Là de ça, nous avons aussi des partenariats avec une épicerie qui s'appelle Chez Lucienne, située à Chesnay, ainsi que le restaurant Festa Deli, situé à Liège, et le Barbiteur, situé aussi à Liège. L'année prochaine, le but c'est vraiment de doubler notre superficie et de doubler le nombre d'abonnés. Et en plus de ça, nous, on aimerait vraiment mettre en place des activités socioculturelles. Et notre premier défi, c'était d'avoir un terrain. Et après, c'est bien joli d'avoir le terrain, d'avoir fait du woofing, mais il y avait vraiment toute la partie administrative, toutes les questions juridiques, tout ce qui se rapporte à la SBL. Et donc là, clairement, sans step, on n'y serait pas arrivé. Les mots qui rassurent, c'est quand on croise des abonnés qui viennent, qui disent que les légumes n'ont jamais autant de goût dans leur assiette. Moi, ça, je trouve que c'est rassurant, en fait. Ça, c'est clairement des mots qui rassurent. Merci, c'était trop bon. C'est fou, non? Oui, c'est rapide et il n'y a pas besoin d'un gros pot. Et puis, peu importe la météo, ça poussera. Faut accepter les pertes.